On passe dans la catégorie prestige. On monte d'un cran dans le poids, dans les moins de 93 kilos. Ce soir, vont s'opposer deux hommes. Dans le coin rouge, il nous vient de Sambo, Marseille, Bonne-Vienne. J'appelle Brahim El Koudani. Il aura en opposition Monsieur Brahim El Koudani qui vient d'entrer, sera dans le coin rouge. Il sera opposé ce soir dans le coin bleu à Monsieur Cyril Arker. Les applaudir et les encourager, s'il vous plaît. Je le rappelle, ils sont sur ce ring ce soir. Dans le coin rouge, Monsieur Brahim El Koudani du Sambo Marseille Bonne-Vienne, vainqueur au Fighting Weight Challenge 2009, âgé de 21 ans, 1m85, pesé hier à 93 kg, tout rond. Dans le coin bleu, son adversaire, toujours dans la catégorie des moins de 93 kg, Monsieur Cyril Arker de la Bushido Academy Avignon, combattant MMA. Âgé de 22 ans, 1m87, pesé hier à 92 kg et 900 grammes. Messieurs, c'est à vous. Dernière vérification de monsieur l'arbitre, monsieur Colombo. Toujours deux reprises de 5 minutes. Soyez attentifs, ça va très vite. Et c'est parti. De projection, ils se sont remis debout. Projection. On est sur un travail au sol. Voilà, il y en a qui essayent de casser la prise pendant que l'autre a saisi. Tentative de clé, attention, on se relève, on repasse debout. Projection, attention, guillotine. Attention, toujours étranglement. Oui, oui.
Attention, tentative de clé de bras. Ah, on se détache. Ça travaille, attention. Très beau travail au sol. Cherche les clés, on cherche l'étranglement. Ça va peut-être se relever, ça se relève, attention. Il reste 1 minute 30. La fatigue commence à se faire sentir. Attention à la faute. Il reste 1 minute. Projection à nouveau. On se retrouve au sol. Tentative de clé. Se neutralise. Chacun essaye de placer sa technique, de sortir de l'emprise de l'autre. Il reste 30 secondes avant la fin de cette reprise. On cherche la bonne position. Attention, ça peut aller très vite. Une clé de bras se prépare. Fin de la première reprise. Avec 1 minute 30 de repos. Et ils en ont bien besoin. On a senti la fatigue sur la fin de cette première reprise. On essaye de récupérer, on écoute les conseils du coach. Il va bien falloir se départager sur cette deuxième reprise. Attention. Deuxième et dernière reprise de 5 minutes. Et c'est parti. De crochet, de coups de genou de monsieur El Goudouani. Voilà. Bien. Également de monsieur Asker. Le combat se fait rapprocher, on cherche le corps à corps dans ce combat. S'appuie sur les cordes, on revient au centre. Essaye. La projection et on se retrouve au sol. Tentative d'étranglement de Cyril Asker. Voilà.
Et on repart debout. Attention. Voilà le travail rapproché. On reste debout, mais on est au corps à corps. Attention, le travail avec les cordes est interdit. Neutralise l'adversaire. Genou de monsieur Asker, réplique de Brahim. Il reste 2 minutes. Les projections, on se retrouve au sol. Sont neutralisés. On essaye toujours d'obtenir la soumission au sol, de placer des clés ou des étranglements. On les oblige à se relever. Pas assez de travail. Attention, c'est reparti. Attention, les techniques de point passent. Ça fait mal. On se retrouve au sol après la projection. Fin de la deuxième reprise. Et fin du combat. Celui-ci est arrivé à terme entre monsieur Brahim El Ghoudani et monsieur Cyril Asker, qu'on peut applaudir bien fort. Et la victoire dans ce combat des moins de 93 kilos, ce soir, dans ce combat prestige, est attribuée à monsieur Brahim El Ghoudani, coin rouge. Récompense remise par monsieur Jean-Philippe Bonnefond, directeur de l'hôtel Kyriad Rabato. Bravo, on peut encore l'applaudir bien fort. C'est un très beau combat. Bien sûr, il y a un vainqueur, mais il y a un vaincu, il est aussi récompensé.
par monsieur Roger Muletta, directeur de l'agence Castellan Voyage Sud. Bravo également à monsieur Asker, que je vous demanderai d'applaudir